Man, bien ou bien? Bon, moi ça va tranquille. On a reçu un petit deuxième colis, comme tu peux le voir. Une fois que le week-end est passé, on l'a reçu. On est lundi là. Donc, ce sera pas pour la moto, je pense. On va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble. Comme d'hab, ça vient de chez AliExpress. Donc voilà. Ce sera un petit unboxing. Donc voilà, je viens tout juste de me réveiller. Donc voilà, pour commencer, on retire une espèce de bulle. Et le truc il est dedans, frérot. Attends, y'a rien là-dedans? Non, petit Wally. T'as enlevé le squat là? De la bouée là? Ah, le truc qui peut aller à la plage et tout avec. Alors là t'es bien. Là tu vas dedans hein, et tu vois la plage gros. Voilà. Et c'est... Tararang. Voilà. Il n'y a plus rien dedans. C'est une genre... vous voyez? Voilà. Oui. C'est de l'air. C'est bien. Franchement c'est bien. Et... Alors, je vous explique pour ceux qui ont les casques à bol, c'est-à-dire comme celui-là. Moi, je vais la faire péter là. Ça, je vais faire péter ça. Et je vais mettre mon masque. Voilà, tout simplement. Non, voilà, les gars. Il y a un papier film. Voilà, ici, vous pouvez l'enlever. Voilà. Moi, j'ai pris. Il y en a un autre aussi à l'intérieur, de papier film. Voilà. Au niveau de la lunette. Et donc, voilà. Ça va faire pour le casque, quoi. Là, si je prends le casque, je le mets dedans, dessus, je veux dire. C'est trop patate, franchement ça fait un moment que je le voulais ce truc. En vrai, sans le truc ça fait ça maintenant. Et en fait vous venez le mettre comme ça. Tu vois le délire? Mais là on va bien le mettre. Ah c'est bien, il y a même des espèces de petites vagues en caoutchouc pour pas que ça colle sur le casque et que ça évite de glisser en fait. C'est pas mal. Après, j'ai déjà à dire, c'est quand même de la bonne qualité. Le niveau de la couture, ça a été cousu au moins 2-3 fois. Voilà, je vous montre les coutures, tout ça. Hein. La mousse qu'il y a au-dessus, elle est plutôt bien fixe. Très bien fixe. Après ça se démonte. Voilà, là-dedans que ça se présente comme ça à l'intérieur. Ouais, franchement, on voit. Je vais essayer de vous faire. Voilà comment on voit. Là, on est dans le casque. Et là, on n'est pas dans le casque. Là, on est dans le casque. Et là, on n'est pas dans le casque. Voilà, ça je l'ai payé 10 euros. Hein. Par contre, je l'ai payé 10,41 euros. À la base, ça voulait 6 euros et 4 euros de prix des présents. Voilà. Ouais, donc voilà, hey. Voilà, avec le casque. Une fois monté sur le casque, ça donne ça, mon poteau. Donc, du coup, voilà. Le confort ici autour la mousse là, c'est impeccable. Franchement, ça fait pas mal au visage. Ça colle pas au visage. Il n'y a pas de buée, il n'y a rien parce qu'ici c'est ouvert avec une mousse de l'autre côté. Voilà, avec une mousse de l'autre côté. Donc du coup ça respire, ça donne ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien à ras par rapport sur les côtés. Tout ça, moi je l'ai rentré un peu ici. Dans le casque, vous voyez, pour avoir plus de confort. Voilà, ça donne ça. Okay. Le tendeur il est tendu au max. Enfin, il est pas tendu au max, il est même pas tendu, je veux dire. Il est détendu au max et il sert à rien.
Il y a les petites bagues, comme je vous le disais, pour qu'ils grippent bien. Les petites bagues en caoutchouc là. Donc voilà pour toi. J'ai aussi Facebook et Instagram, si ça t'intéresse. Les deux comptes, c'est le biker tracassé, ça s'écrit pareil. Le avec le L majuscule, biker avec le B majuscule, le tra avec le T majuscule et le cassé, le K majuscule. Donc voilà, après le reste en minuscule, tu me trouves. N'hésite pas à t'abonner, à faire partager si ça t'intéresse, ça pourrait intéresser. Ciao poto, on se retrouve pour de prochaines vidéos.